Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le reflet de lune, nous utiliserons Message de guérison de l'Égypte ancienne, c'est un jeu que nous avons créé avec Claire. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Et on utilisera également le Sweet Ladies Oracle, l'oracle Sweet Ladies. Le Sweet Ladies et le reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc je vous mets les références pareilles en dessous en barre d'infos, vous les retrouvez sur mon site, sur la boutique de mon site. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vous invite pour compléter votre tirage à regarder aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager. C'est toujours sympa justement de voir vos petits messages et puis aussi de vous retrouver tous les mois ou à chaque partage sur ma chaîne. On va commencer donc avec un message de guérison de l'Égypte ancienne. On a pour vous pour ce mois-ci le jeu de Sénète, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Donc il faut, si vous entreprenez un chemin spirituel, cette carte elle vous indique de ne pas aller le chercher ailleurs. De ne pas aller le chercher en dehors de vous parce que votre chemin vous est propre et que c'est un chemin en fait que vous ne pouvez entreprendre qu'en écho avec vous-même. Il y a en vous déjà toutes les réponses, il suffit de les éveiller. En fait, tout en vous, tout réside déjà en vous et vous allez pouvoir trouver comme ça les réponses en vous et comprendre aussi ce qui vous est votre chemin à vous, en écoutant vos propres besoins, en vous connectant aussi à ce que vous raisonnez, ce qui fait écho en vous. Voilà, donc n'allez pas forcément chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Il suffit simplement d'éveiller ce qui est présent en vous. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour ce mois-ci. Alors, j'avais battu le jeu avant. C'est pas un tirage que je vous fais souvent et pourtant c'est un tirage que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qui va prédominer justement dans votre moi, les scorpions. Ce qui va prédominer pour nous, puisque je suis scorpion aussi. On a la carte de la croix. Donc c'est la carte de la croix qu'on retrouve au centre. La croix, elle va nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler d'un fardeau qu'on porte et que du coup on va continuer à porter pour tout le mois. Quelque chose de difficile, de lourd, quelque chose dont qu'on est obligé de porter. C'est un peu l'expression « porter sa croix ». Mais on a aussi une autre notion avec cette croix, c'est la notion du dévouement. La notion que l'on va se dévouer à quelque chose, que l'on va prendre tout notre temps, notre énergie pour une cause qui est peut-être plus grande que nous, ou en tout cas qu'on considère plus grande que nous. Et on a en tout cas cette idée de se dévouer à son travail, à sa famille, à un projet, une entreprise, quelque chose que l'on est en train de faire. Mais on a cette idée vraiment de se consacrer pleinement à quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Voilà. Donc regardez un petit peu en fonction de vous, en fonction de votre cas particulier, puisque bien sûr c'est un tirage général. Donc c'est à vous un petit peu de voir qu'est-ce qui fait écho en vous. On a la carte de l'homme, la cigogne, l'ours, le cavalier. On a ici deux cartes de mouvement, donc on voit déjà, et ici une carte de lourdeur plutôt. Donc on a des mouvements qui vont se faire, ça va être un mois qui va être assez chargé dans tout ce qui va être soit du déplacement, donc vraiment un mouvement physique, on se déplace, on bouge, peut-être un déménagement pour certains, peut-être le besoin justement de déplacement professionnel, ou peut-être un petit voyage ou un week-end que l'on programme.
Il est possible aussi, on a une carte très énergique ici avec la carte de l'homme. En plus, ici, il y a deux cartes hommes dans le jeu. Ici, c'est la carte du jeune homme. Donc, on a encore plus cette notion d'énergie, de dépenser de l'énergie. Et on voit hein, vraiment qu'on a de l'énergie à revendre. Hein. Pour ce mois-ci, on est très énergique, on en fait quelque chose. On ne stagne pas, du coup, on propulse cette énergie. On l'utilise pour bouger, pour évoluer, pour changer, pour inciter un mouvement en plus. Et on voit qu'on va recevoir des messages et en même temps, avec la carte de l'ours, on a cette idée aussi comment dire, on a en même temps une idée de stabilité, donc de se sentir bien à sa place, bien ancré. On a beaucoup de force, donc ça rejoint aussi ce côté très rayonnant, très énergique. On a une grande force. Et ça va d'ailleurs représenter peut-être de la force physique pour certains. On vous invite d'ailleurs à faire du sport pour ce mois-ci avec la carte de l'ours. C'est quelque chose qu'on met en avant. Et on a cette idée aussi de se sentir bien stable, bien à sa place. Alors, on va regarder les autres cartes. Je bouge tout, c'est parfait. On a un mois qui s'équilibre beaucoup, qui s'équilibre bien parce qu'on a la carte de l'homme et en même temps la carte de la femme. Donc il va y avoir un bon équilibre hein, dans notre mois. Une bonne. En plus, on a. C'est presque. Enfin, c'est en diagonale. Bon, ok, c'est pas, elle n'est pas ici la carte de la femme, mais quand même, on est sur deux lignes différentes. Donc on a bien quand même une énergie qui s'équilibre entre la force, entre ce côté très puissant, cette envie d'aller de l'avant, d'être dans l'action, et en même temps cette réception aussi qu'on va avoir. Donc on va avoir un très très bon équilibre entre notre masculin, notre féminin, notre action et aussi les temps de pause, de repos. Donc ça va bien justement nous permettre aussi d'avoir une santé stable, une santé solide. Peut-être que justement on va mettre à profit toute notre énergie pour avoir une santé vraiment très forte, très rayonnante. On va se sentir bien pour ce mois-ci. Voilà, donc on a ici deux cartes de stabilité avec l'arbre et avec l'ours. Moi je trouve que c'est franchement un tirage qui s'équilibre bien, qui montre quand même un bon équilibre pour nous le mois prochain. De bien arriver à gérer et nos énergies féminines, masculines et en même temps notre ancrage, et en même temps on voit qu'il y a aussi des déplacements qui se font, donc l'énergie est canalisée dans un but de déplacement. On a également un engagement, on va avoir un engagement, alors c'est peut-être cet engagement d'ailleurs hein, qui commence à être un petit peu lourd à porter, peut-être qu'on s'est pas forcément engagé avec les bonnes personnes, qu'on se repose un petit peu des questions, qu'on est obligé de revoir tout ce qui tourne autour de cet engagement là. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être également un engagement amical aussi. Peut-être qu'on avait décidé de faire quelque chose avec des amis et qu'on se rend compte que finalement ça nous demande beaucoup plus d'investissement qu'on le souhaitait. Et là, il va falloir justement arriver à utiliser son intuition pour mettre en place des actions qui nous permettent de nous dégager en fait de cet engagement-là. On a d'ailleurs la fin qui est présente ici avec le cercueil qui montre la fin d'une situation. La fin d'une situation, on a en même temps cette lourdeur du coup aussi également qui découle de cet engagement. Et on voit que c'est agrémenté, agrémenté comme un petit plat, que c'est assaisonné par ce beau déplacement qui est présent ici. Et que par conséquence, on voit quand même qu'il y a un mouvement et qu'on arrive aussi à se dégager de cette forme de lourdeur qui découle en fait de cet engagement, de cet engagement qu'on a pris. Voilà, donc peut-être plutôt un problème pour nous au niveau d'un engagement. Et en même temps, on voit qu'on arrive à y mettre fin pour avancer, pour aller de l'avant. On va sans doute recevoir d'ailleurs des messages, peut-être des concrétisations d'ailleurs au sujet de la fin de cet engagement-là. On va faire preuve d'intuition justement pour arriver à se dégager de tout ça, et en même temps on voit qu'on a la capacité et l'énergie disponible pour passer à l'action, pour se dégager un petit peu de tout ça. On va faire un tirage avec le Sweet Ladies.
Hop, je vais remettre la carte ici. Je fais un petit zoom. Touk, touk, touk. Voilà. Alors, c'est pareil, j'avais battu les cartes avant. Alors, on a la carte des choix, la carte de la vision, justement, de voir à long terme, et la carte de la créativité. Alors, la carte de la créativité, ça tombe bien, puisqu'on avait la carte de la femme juste avant. Donc, on voit qu'on va être dans cette énergie hein, créative. On va tout à fait pouvoir libérer sa créativité et faire preuve de créativité dans sa vie aussi, pour justement atteindre ses objectifs. Mais pour atteindre ses objectifs, il va falloir faire des choix. On va être confronté à des choix, il va falloir prendre des décisions pour ce mois-ci. Et pour prendre au mieux ces fameuses décisions, faire preuve de créativité, mais aussi ne pas lâcher de vue son objectif. Je vous la montre d'un petit peu plus près, celle-ci. Hop. Ce que vous voyez ici, la jeune femme tient une longue vue. Une longue vue pour justement pouvoir observer au loin. Donc là, on fait des projets sur du long terme. On voit un petit peu les choses qui arrivent de loin. On ne fait pas... Là, on ne vous invite pas à vivre dans l'instant présent. Là, au contraire, on vous invite vraiment à vous projeter dans le futur, à vous projeter le plus loin possible pour arriver à prendre les choix qui vont être bénéfiques pour plus tard et pas pour l'instant présent. Et en même temps, arriver à mettre un petit peu de créativité, mettre aussi, savoir aussi quel choix vous fait plaisir. Donc ça doit rentrer dans la balance. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et en même temps, qu'est-ce qui va être le plus profitable pour plus tard? C'est un choix en même temps conscient, un investissement pour plus tard, et en même temps aussi un investissement pour son propre bonheur, sa propre joie. Donc le côté émotionnel rentre aussi dans la balance. Voilà, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on a envie de sublimer pour plus tard, et du coup voilà, j'ai le mot qui vient de sauter. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le retrouver. Mais en tout cas, on a bien cette idée de faire ses choix en fonction aussi de ces deux cartes-là. La vision à long terme et aussi ce qui nous fait plaisir, vraiment mettre ça dans la balance. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye !